Bonjour! Alors, cette vidéo s'adresse aux parents et aux futurs parents. Quand on a des enfants, on est bien souvent très très pressé et l'enfant, lui, par contre, il a besoin de prendre son temps. Donc, si c'est quelque chose qui te parle, tu restes sur la vidéo et j'y reviens tout de suite plus en détail. Bonjour, je suis Marie-Christine Eustache, cultivatrice de bonheur. Je t'accompagne à réaliser les rêves que tu as dans les poches, que tu n'oses pas et que tu n'arrives pas à réaliser. Et j'ai aussi une partie très importante de mon activité par le passé qui a été d'accompagner les parents à bien vivre le quotidien avec les enfants. Et entre autres, j'ai été assistante maternelle pendant 8 ans. J'ai moi-même 3 enfants. Enfin, j'ai moi-même 3 enfants. Elles sont grandes maintenant. Mais aujourd'hui, je vais partager quelque chose que j'ai compris, enfin dont je prends conscience au fur et à mesure, par un travail que je fais de reprogrammation émotionnelle de mon subconscient pour libérer des émotions qui sont restées bloquées à l'intérieur de moi quand j'étais petite fille et qui actuellement remontent ou me bloquent, etc. et qui viennent un peu me pourrir la vie. Donc, qu'est-ce que je comprends en fait de ce process? Ce process, j'en parle dans une autre vidéo. Il y aura le lien à la fin de celle-ci. L'important que je souhaite partager pour les parents et les futurs parents. Un enfant, il a besoin de temps pour acquérir des compétences qui sont simples, comme par exemple enfiler une chaussette. Enfiler une chaussette, c'est super difficile quand on est petit. C'est un exercice de motricité qui est assez complexe et donc l'enfant, ben, il va avoir besoin qu'on lui laisse l'espace pour apprendre ça et que ce soit joyeux. Parce que lui, il apprend dans la joie, il apprend dans le plaisir. Et donc, s'il y a un moment où il sent que pour l'adulte, c'est pas fun et que c'est pas joyeux, ça va créer une contraction, ça va créer quelque chose qui n'est pas agréable pour lui, et finalement, bah, côté apprentissage, il va se dire c'est pas fun quoi. Donc évidemment, avec tout ce que ça peut engendrer derrière. Bref. Mais surtout l'important, c'est en tant que parent, si c'est compliqué pour l'instant d'avoir du temps avec l'enfant, bah, dans ce cas-là, voire à sous-traiter, à faire appel à de l'aide pour que il y ait un autre adulte ou un grand frère ou une grande sœur, un cousin, une cousine qui passe du temps pour les apprentissages du quotidien. Alors que ce soit pour brosser les dents. Je me souviens d'un petit garçon que j'ai gardé en tant qu'assistante maternelle et je vais dîner un soir chez son papa. Les parents étaient séparés et il me dit bah, attends, faut que j'aille lui brosser les dents. Je regarde, je dis non mais attends, c'est pas possible, c'est pas brosser ses dents. Il dit bah non. Bon, je dis, oh, on y va. Tous les trois dans la salle de bain. Je dis bon, ok, tu vas prendre ta brosse à dents. Ok, ça c'est bon, tu sais. Il avait 4 ans, donc à peu près, ouais, 4, oui, 4 ou 5 ans. Tu vas prendre ta brosse à dents, ok. Donc tu vas prendre le dentifrice. Donc avant, on avait ouvert le tube de dentifrice. Et tu vas mettre un peu de dentifrice sur ta brosse à dents et puis tu vas frotter tout seul. Vas-y, frotte. Et donc, on était là, tous les deux, à l'accompagner pour brosser ses dents. Parce que c'est juste la galère en tant que parent. Si tous les soirs ou tous les matins, il faut aller brosser les dents, bon, bah non, autant apprendre à l'enfant. Alors oui, au début, l'apprentissage, c'est un petit peu long. Ça demande de l'énergie, ça demande du temps, ça demande un peu de patience. Et si on n'a pas ce temps-là, bah dans ce cas-là, autant demander à quelqu'un d'autre de le faire. Parce que l'enfant, il va apprendre dans un temps de contraction, il va sentir que c'est pas agréable, et pour lui, ça va pas être fun de le faire après. J'explique ça parce que j'ai vécu, donc en process de reprogrammation émotionnelle du subconscient, je suis remontée dans mon enfance avec un souvenir et donc c'est ce souvenir que maintenant tu peux aller voir en vidéo. Comme ça, tu vas pouvoir faire un petit peu le lien. Et il y a d'autres vidéos aussi, non, une
avec ma pitchoun, avec son histoire de brosse à dents qui était pas mal aussi. Je vais la mettre en lien parce qu'elle vaut le détour sur justement qu'est-ce que le subconscient d'un enfant peut associer comme événement. Parce que justement ces associations que fait le subconscient, si elles ne sont pas vues à temps, bon là c'était tellement gros que c'était bon, mais si elles ne sont pas vues à temps, elles vont s'ancrer. Et c'est ce genre de galère qu'on va se retrouver adulte à devoir gérer. Et là, on va un petit peu galérer pour comprendre le truc parce que très clairement, on ne va pas se souvenir du truc. Mais en reprogrammation émotionnelle du subconscient, justement, on peut aller demander à notre subconscient de venir nous livrer sur un plateau quel est le souvenir qui est en lien avec ce truc qui bloque aujourd'hui. Voilà. Si tu veux en savoir plus, il y a des infos en commentaire. Sur ce, une bonne continuation et à la prochaine.